je pense que ce principe-là, là, de film transparent, ça vous sert à pas avoir de bulles en fait sur votre sticker après. Vous voyez, c'est net. La pose est nette après. Donc, faut vraiment prendre votre temps parce que vous voyez, sur des petites parties comme ici, le bec ou la petite plume là-haut, ça a tendance à rester collé sur le transfert. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien racler et de bien poser pour que ça adhère bien au mur. Donc, voilà. Donc, là, la première partie. Du modèle à poids là, de l'oiseau est posé. Ça a été assez rapide quand même. On va poser le bas parce qu'il manque des petites pattes ici. Mais le résultat déjà il est vraiment pas mal. Ça colle bien. Donc comme je vous disais là, on va faire donc les pattes de l'oiseau qu'on a commencé à poser. Donc vous faites exactement la même chose. On va décoller les bords blancs autour des pattes. Utiliser le même film transfert parce que c'est réutilisable. Donc on maroufle sur le film transfert. Là c'est important aussi cette étape là parce que je pense qu'elle est garante aussi du fait qu'il n'y ait pas de bulles après sur votre sticker sur le mur. Vous décollez, vous voyez, ça vient tout seul, les pattes, et donc les pattes se retrouvent sur le film transfert. Donc là vous voyez le stickers donc qui est posé posé avec le papier transfert. Donc c'est un sticker 50 par 70, donc il est quand même assez grand. J'ai pas assez de recul dans la pièce pour vous montrer tout le mur. Mais vous voyez, c'est quand même une bonne taille, quoi. Donc il est très très joli. Puis je ne sais pas si là vous, il va faire le point, oui. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune bulle. C'est nickel. Voilà, même sur les petits où il faut être un peu plus délicat pour poser tout ce qui est petit comme ça avec le film transfert. Mais ça va très bien. Donc là sur le deuxième, c'est une phrase personnalisée. Et en fait, vous n'avez pas besoin du papier transfert. Vous retirez une pellicule qui est derrière. Et ensuite, donc vous apposez votre phrase comme vous voulez et à l'endroit où vous le voulez. Et vous décollez. Ensuite, simplement vous marouflez avant. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir en transparence ici. On va maroufler ça et ensuite retirer le papier blanc tout simplement. Donc vous voyez, on a marouflé et donc là vous retirez tout doucement le papier blanc. Et puis votre sticker s'il est sur le mur directement. Donc voilà. Alors voilà la phrase. Donc qui est posée. Alors, on a juste eu un souci à un endroit, ici, vous voyez, il y a une petite retouche peinture qui vient d'être faite, parce que en fin de compte, dans les lettres comme le A, les E et les B, par exemple, voilà, l'intérieur ici, c'est plein, donc il faut décoller le sticker pour faire apparaître la lettre. Et donc, en décollant, ça colle tellement bien qu'il faut faire attention à la peinture. Donc moi ici c'est pas gênant puisque j'ai encore la peinture. Il faut vraiment y aller tout doucement pour retirer parce que ça peut arriver. Mais sinon le résultat est super beau. Les deux ensemble, est-ce que je peux vous le filmer? Oui. Voilà, de toute façon vous aurez un room tour qui va arriver avant ou après. Je pense après cette vidéo. Et donc ici, vous voyez, il y a le berceau, c'est un petit peu le foin. Et donc ici, le berceau sera ici. Voilà. Donc je suis ravie de ces stickers. Ils sont vraiment d'une excellente qualité. Donc ils viennent de chez stickeramoi.com. Et hyper facile à poser, hyper rapide de réception.
Voilà. Et ils ont plus de 3000 modèles de stickers, donc inutile de vous dire que si vous cherchez quoi que ce soit, vous le trouverez chez eux. Voilà. À bientôt!